ici à Laval, ça va déménager. Ben oui, de retour avec le coupe-vent. On s'est pété des canicules, puis l'on gèle. Fait que... Oh, on a fait une petite course ce matin. Oh, on est sur les électrolytes. Les électrolytes! Puis là, on s'apprête à faire ça. Pendant 10 minutes. Exercice cardiovasculaire. On est encore un peu endormi. On a fait 30 minutes de course ce matin. Ça a bien été. On s'est réchauffé les jambes, les mollets. Avant d'atteindre mon ennemi, les marches. Par contre, ça vous fait d'excellents quadriceps. C'est très bon pour le cardiovasculaire. Puis vous développez des beaux mollets comme ça. Vous voyez ici, là, je me suis fait piquer. Les espèces de maringouins. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous faites piquer, là, ça vient gros comme une balle de golf. Ça pique, ça coule. C'est dégueu. Je déteste les maringouins. Mais ils ont une utilité quand même dans l'écosystème. Fait qu'on va entamer ça. On va l'entamer de reculons. Ça fait un méchant bout que je les ai pas faites. Ça fait à peu près, je vous dirais, peut-être 3 semaines. Parce que comme j'ai tourné, mais j'ai pas fait le montage encore de mon vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo. Je voyage en vélo pour aller au travail. Puis étant donné que je fais beaucoup de vélo, j'économise mes jambes. Alors je ne fais pas cette espèce d'exercice de dead step. Je ne fais pas ça, donc j'économise mes jambes pour aller au travail en vélo. Alors, étant donné que ça me tue bien raide, ça, quand j'ai fait ça, là, j'en ai pour 2 jours à peu près. Fait que c'est ça. Puis là, ben, étant donné que c'est les vacances de la construction, je vais prendre la voiture. En fait, je prends le vélo pour côté écolo, mais pour sauver aussi beaucoup de trafic, beaucoup de stress, beaucoup de détours et de construction. Alors, je prends mon vélo. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Beaucoup plus... je cherche mes mots ce matin. Bref, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je prends mon vélo. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes dans les vacances de la construction et qu'il n'y a pas de détour et de construction pendant les vacances de la construction, je vais prendre la voiture pour m'épargner les cuisses et revenir en forme. Donc, je peux me permettre cet exercice-là. Les marches. Puis là, ça va faire cette vidéo-là. Je sais plus quoi dire, là. Fait que je vais commencer ça tout de suite. Je vais vous tourner quelques petites minutes pour vous encourager, vous motiver à monter des escaliers. Que ce soit à votre travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans un espace, un parc. Vous avez sûrement des parcs avec des estrades comme ça que vous pouvez vous exercer et vous faire de belles cuisses. Fait qu'on y va, j'ai fini cette vidéo. Fait que je vous dis une prochaine, puis j'espère que vous gardez la forme. Puis oubliez pas, c'est vous qui êtes les champions. Puis profitez de vos vacances, profitez pour vous reposer, puis revenir en forme dans vos entraînements. Puis lâchez pas trop, parce que hein, quand on lâche, on a beaucoup de difficultés à revenir. Fait que faites de l'exercice modéré ou très léger. Fait que je vous dis une prochaine. Ciao!